Je suis venu vous consoler et me rendre compte de votre vécu. Nous avons remercié le président de nous avoir rendu visite après cette catastrophe qui nous a touchés. Nous, les femmes de Nyiragongo, nous avons été meurtries par ce drame. Et nous l'avons dit au président, car encore aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Le président s'est lui-même imprégné de la situation. Il s'est rendu compte que nous avions de sérieux problèmes liés à l'eau et à la sécurité. Il a vu que toutes nos cultures avaient été détruites par l'éruption volcanique et que nos maisons avaient été décimées.